Eh bien, yo tout le monde les gens, c'est Brother les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo les gars qui est un peu particulière. Alors c'est pas trop une vidéo que j'ai l'habitude de faire et surtout c'est pas l'habitude des entre guillemets gameplay que j'ai l'habitude de faire. Donc les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour un truc un peu spécial. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui les gars, à l'heure où je vous parle, on est samedi 22h 26 mars. Donc aujourd'hui les gars, c'était vers quelle heure je crois? Vers 14h, il y a eu une petite compétition. Donc une petite compétition, enfin pas trop, c'était un mini tournoi entre potes. Donc je vais un peu vous présenter les gameplays, je vais un peu vous présenter pas trop la façon dont on jouait parce qu'on jouait de façon normale, enfin comme si on jouait en multiplayer. Donc vous avez pu aussi remarquer les gars que j'ai pas pris le gameplay en entier tout simplement parce que j'avais un problème avec mon logiciel Rec Central. Donc aussi la vidéo dure 30 minutes, donc il y a des passages où j'ai accéléré tout ça parce qu'il y a des passages pardon où on réfléchissait tout ça pendant assez longtemps. Donc je vais vous le faire accélérer ou même je vais vous le couper, je sais pas encore comment je vais faire ça au montage. Donc en fait les gars, ce qu'il faut savoir tout simplement c'est qu'en fait aujourd'hui à 14h à peu près il y a eu un mini tournant entre mes potes. Et ma pote, parce qu'il y avait, ma pote aussi. Enfin bref, donc en fait, on se connaissait tous hein, du collège. Donc il y avait moi, enfin le chef toujours, c'était en dernier. Donc il y avait Guillaume, dans notre équipe, hein, il y avait Guillaume, Lucas. Donc Guillaume, c'est Facebreak, Ludovic. Je sais pas si j'ai dit Ludovic ou Lucas, enfin c'est Ludovic. Ludovic, c'est EasyJet. Et après moi, vous connaissez mon Blaze, Brother057. Donc là, j'en avais vu un, mais je pouvais pas trop tenter le duel de loin, parce qu'avec la Whisper, c'est plutôt chaud. Enfin bref, donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs classes. Désolé du petit message. Il y a plusieurs classes que j'ai fait. Donc je vais vous dire un peu, je vais vous détailler les classes après. Dans leur équipe, il y avait Thomas, Léa, et il y avait encore quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y avait Lucas aussi qui est venu un peu par plus tard dans le point stratégique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, non, le tournoi était en 3 vs 3. Mais en fait, on n'a que fait en 2 vs 2 parce que quelqu'un ne pouvait pas venir de leur équipe. Du coup, on a quand même décidé de faire le tournoi. Je dis tournoi, mais c'est plutôt une mini compétition entre potes. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'on a énormément. Enfin, une fois, moi, je pouvais pas venir parce que j'étais pas chez moi. Après, Guillaume ne pouvait pas. Après, Ludovic ne pouvait pas. Après, eux, ils ne pouvaient pas. Donc, c'est plutôt compliqué pour trouver un petit horaire. Donc, là, on a réussi à trouver. C'est vrai que c'est pas vraiment de la compète pure. Hein, c'est juste un petit tournoi, juste pour voir comment on pourrait se débrouiller. Ce serait en compète parce que c'est vrai que ma team et moi-même, on voudrait bien faire de la compétition, enfin pas de la grosse compétition, mais juste des petits compètes comme ça chez nous, en petit tournoi sur des sites comme ça, je leur ai déjà proposé. Donc on va peut-être s'inscrire. Donc voilà, pour ceux qui veulent suivre, je pense que je vais le stream si je le fais. Bon, c'est pas sûr, hein, je vais pas encore le faire tout de suite, j'en ai pas encore vraiment parlé avec eux, on va en parler demain, je pense. Enfin bref, du coup, les gars, comme j'ai dit, ouais, on va certainement faire des petites compètes. Du coup, voilà, je vais essayer de vous stream. Donc, pour ceux qui veulent mon Twitch, Brother, lien en description pour ceux qui veulent savoir. Donc, les gars, pour ce qui est un peu des classes, donc en fait, pardon, déjà des modes. Donc, les modes, en fait, on voulait faire du. Donc, c'était vraiment pas sérieux, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, là, on a fait une R&D. Donc, en fait, comme ils étaient K2, bah, on pouvait jouer K2, logiquement. Du coup, on n'allait pas jouer à 150, 150 alors qu'ils étaient que 2. Du coup, on a joué plusieurs parties. Là, on a d'abord joué moi et enfin Ludovic et moi. Après, c'était truc et truc. Après, c'était moi et Guillaume, je crois, ou Ludovic et Guillaume. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, c'était comme ça. Mais en fait, après, ils ont voulu changer. Du coup, on est tous partis en point stratégique. Donc là, c'est là où Lucas est venu. Donc on a fait du point stratégique. Donc c'était moi, Guillaume. Et Ludovic contre Léa, Thomas et Lucas. Donc je crois qu'on a win aussi le point strat. Donc là non, c'est là où il va y avoir un moment assez long. Donc la première game, on la win 6 à 1. Donc vous pouvez voir que c'est pas trop sérieux. Donc là on était en train de réfléchir et tout ça, ce qu'on allait faire. Et après il y a Lucas qui est venu. Du coup on a joué en 3 vs 3, ce qui était quand même plutôt correct. Donc c'était le point stratégique Fring. Donc là, vous pouvez voir déjà qu'il n'y a plus les règles de CWL, donc plus les règles de compète. Donc voilà, là, j'étais en train de créer vite fait les petites classes. Donc voilà, tranquillement, Pharo. Enfin là, attention, j'ai fait avancer, donc vous verrez pas, mais j'ai créé des Pharo. Donc voilà, et aussi, il y a un nouveau camouflage, parce qu'en fait, ça fait énormément longtemps que je suis plus allé sur un truc. Donc enfin, bref, de toute façon, vous verrez le gameplay. Je peux pas commenter en direct, enfin, exactement en même seconde, parce que c'est tout est décalé, là, il y a la pause et tout ça, enfin bref. Du coup on a win aussi le point stratégique. Vous pouvez voir que j'ai fait quand même plutôt pas mal des belles actions de temps en temps.
Bon, après, voilà, c'était pas non plus le tournoi de folie. C'était un petit tournoi juste pour voir comment jouer en fait en équipe. C'était, on est vraiment dans les conditions. Donc moi personnellement, je me suis mis vraiment dans les conditions comme mes coéquipiers. Ils se sont aussi également mis très en compétition. Donc le point strat, on l'a gagné 249 à 47 points. Et là après, ça va être fini. Il y a encore une liaison. On a commencé à lancer la liaison, mais il y a eu un problème de code. Du coup, on a arrêté. Après, moi, je suis parti. Donc voilà, donc les gars, c'était plutôt cool. Honnêtement, j'ai voulu vous le faire partager. Ils m'ont dit, ouais, fais-le. Excusez-moi, fallait enregistrer et après tu t'envoies le lien. Donc je vais vous l'envoyer, Ludo et Guillaume. Donc c'était plutôt cool, franchement, à refaire les gars. Et surtout, n'hésitez pas, Guillaume, à t'inscrire sur un site. Comme ça, on fait des tournois avec Ludo vraiment en vraie condition. Donc voilà, les gars, je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, les gars, ça fait toujours plaisir. Les gars, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Peace, les potes.